Ma fille, est-ce que tu sais que quand j'avais conçu Passy, ton père voulait me quitter? Je ne savais pas, maman. Voilà donc ça que je te dis. Est-ce que tu comprends maintenant? Quand il commence sa crise, il devient incontrôlable. Je suis sûre que ton père voit une autre femme. Vraiment, maman? Oui. Je sais renifler ces choses à des dizaines de kilomètres. Il pense qu'il peut apprendre à un vieux singe comment faire les grimaces? Non. 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 Mon Dieu. Oh, ma chérie, ton massage me fait un grand bien. Mais ce n'est pas gratuit. Bon, comme tu es dans un sale état, je ne veux pas que tu me payes en cash comme d'habitude, ok? Je te propose un échange de service. Lequel? Maman, s'il te plaît, laisse-moi aller voir Karine. Attends, depuis quand est-ce que tu me demandes la permission avant de sortir? Tu as oublié que papa m'a privé de sortir hier. Et pour quelle raison? Pour être rentré à 19h06 alors que le couvre-feu est fixé à 19h00 avec une marche supplémentaire de 5 minutes. Voilà. Donc tu comprends que je ne peux rien faire pour toi. Ouais. D'ailleurs, qu'est-ce qui prouve que tu peux rencontrer Karine? Tu ne peux pas voir ton petit ami par hasard? Mais non, maman, je vais vraiment voir Karine. On a un programme entre filles. Non. Ma. Ok, c'est vrai que je prends plaisir à me payer la tête de papa, mais à toi, je peux pas te mentir. Tu es la seule à soutenir ma relation avec Arnold. Mmh. D'accord. Vas-y, maman. Oh, s'il te plaît, tu rentres vite. Je ne veux pas avoir de coup avec toi. D'accord, maman.